Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire pour cette semaine du lundi 15 janvier. Ben, à présent, vous l'avez bien compris, parmi les influences qui nous parviennent et la façon dont on les étudie sur le plan astrologique, il y a deux gros morceaux dans le ciel. Il y a la condition solaire, hein, à partir duquel notre calendrier est construit. 365 jours, un quart, donc 360 degrés. En gros, on a construit le calendrier là-dessus. Il y a un petit décalage avec les années bissextiles, ce qui explique ce qu'on me demande fréquemment. Pourquoi, en fonction des horoscopes, sur certains, le Soleil quitte un signe pour entrer dans un autre à une date, et sur un autre horoscope, ça a une autre date. Ben, la raison, elle est très simple, c'est que ça change chaque année. Par exemple, le Soleil peut quitter le Bélier pour entrer en Taureau. Une année, ça va être le 19 avril à 10h19. L'année suivante, ça va être le 20 avril à 0h22, par exemple. Et puis l'année suivante, ça va être le lundi, ça va être le 21 à 0h12. Vous voyez, il y a un petit décalage et un réajustement régulier. Donc ça se calcule tous les ans. Lorsqu'on est entre deux signes, qu'il y a une planète, un axe entre deux signes, ça, surtout le Soleil, ça change. Mais vraiment, d'une année sur l'autre, c'est pour ça qu'on ne peut jamais dire, en gravant dans le marbre, tous les ans, le Soleil va quitter tel signe le 20, le 21, le 22, à telle date, parce que à chaque fois, c'est différent, c'est nuancé. Et j'avais fait dans la chaîne, quelque part, c'est vieux, maintenant c'est au moins 4 ans, une rapide vidéo où j'expliquais né entre deux signes, qui explique qu'on a une double coloration. Mais après, ça s'affine, bien évidemment. Ça, c'est pour entre deux signes et l'horoscope solaire. En revanche, l'horoscope lunaire, ce que je vous fais là, c'est très différent, parce que la Lune est beaucoup plus rapide. Et comme elle est beaucoup plus rapide, son cycle de révolution est plus rapide, donc ça va avec. Hein. Elle fait 13 degrés par jour, donc en gros, tous les deux jours et quelques heures, elle change de secteur. Et autant le Soleil, l'horoscope global, nous concerne sur nos objectifs conscients, autant la Lune nous informe sur notre mécanisme affectif, émotionnel, nos ressentis, notre feeling, nos liens avec les proches, nos humeurs, notre façon d'appréhender intuitivement, instinctivement, tout ce à quoi on est confronté, on est dans l'univers intime. En revanche, ce qu'il faut retenir, et c'est là où ça devient un peu plus complexe et c'est multifactoriel, c'est que quel que soit ce que touche le Soleil ou quel que soit ce que touche la Lune dans ses influences, ça va réveiller chez chacun des choses différentes. Donc à chaque fois, tout est relié. Tout est relié. Donc la Lune qui passe sur Mars, ça peut donner un côté « j'ai envie de me prendre en main ». Le Soleil qui passe sur Mars, c'est « je conscientise l'effort à produire ». Vous voyez, par exemple, hein, et ainsi de suite, je ne vais pas faire le développer maintenant, vous avez des formations pour ça. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que le Soleil agit, l'horoscope solaire, hein, c'est une visibilité, et la Lune, c'est une intuition, un ressenti, une émotion, quelque chose qui se manifeste de cette manière-là. Donc on est parti pour l'horoscope lunaire, j'ose imaginer qu'il fallait cet éclaircissement-là. Alors, la Lune démarre lundi, parce que je l'ai programmé en fonction de lundi. De lundi à mardi, 4h50 temps sidéral, ça veut dire en gros 6h du matin, quoi. De lundi, on est le 15, jusqu'à mardi 6h du matin, la Lune est encore dans le signe des Poissons. Et quand la Lune est dans le signe des Poissons, elle exerce une influence positive, parce qu'elle est pleine de délicatesse, lune en poisson, c'est une intuitive, une affective, c'est une mère Teresa, j'en ferai jamais des romans assez longs pour ça, je les adore, moi les lunes poissons sont des cœurs XXL, hein. Ils se font un peu balader souvent, parce qu'ils sont trop bons, hein, trop bons, trop autre chose, mais c'est des merveilles sur le plan humain, je les adore. Bref, la Lune sera en poisson de lundi, mardi, jusqu'à 6h du mat. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? La Lune, quand elle va être en poisson, elle va être en conjonction avec Saturne. Donc attention les humeurs maussades pour ceux qui sont au début poisson éventuellement, début sagittaire, début gémeaux, début vierge. Hein, voilà, petite humeur sensible, hein, vous ne vous repliez pas, voilà, c'est la tendance. Mardi, mais en revanche, très bon pour le moral, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, très bon, jusqu'à mardi 6h du mat. Mardi 6h du mat, mardi 6h du mat, la Lune quitte les poissons pour entrer en bélier. La Lune en bélier, il n'y a plus rien à voir. La Lune en bélier, c'est une hypertonique, c'est un moteur, c'est une dynamique, c'est quelqu'un de beaucoup plus actif. J'ai coutume de dire une Lune bélier, si vous êtes en train de vous reposer sur le canapé, elle va dire « qu'est-ce que tu fais ? Remue-toi, bouge, secoue-toi, ne te laisse pas aller. Hein, » C'est des profils qui ont du mal à rester longtemps assis, à rien faire. Pour eux, c'est insupportable, c'est l'instinct. La Lune active bélier. Bref, ça va me dynamiser qui ? À partir de mardi, là, 6h du matin, jusqu'à jeudi 18 9h15 à peu près.
mardi 6h du matin, jeudi 18, 8h15 du matin, lune en bélier, super énergie pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, pour mes verseaux et bien évidemment pour mes gémeaux. Voilà, vous cinq, la pêche, si on doit faire un truc, c'est à ce moment-là que c'est le meilleur. Il faut l'avoir en tête en sachant qu'on risque d'être dans une phase d'hypertonicité. D'hypertonicité parce que lune bélier déjà ça a sa coloration, mardi dans la journée elle va former un carré avec Mars, donc l'impatience va être encore plus présente, et puis jeudi elle va former vers les 5h du matin, juste avant de quitter le bélier, elle va former un carré avec le soleil, c'est une demi-pleine lune, ça c'est un truc un peu spécifique, une demi-pleine lune c'est un peu agaçant, ceux qui vont être dans l'axe, bah encore une fois je suis désolé, hein, mes fins bélier, mes fins balance, mes fins capricorne, mes fins cancer, faites juste un petit peu attention dans la nuit de mercredi à jeudi, si vous dormez pas bien c'est pas anormal, hein, carré soleil lune c'est une demi-pleine lune, mais ça passe très vite, hein, on passe, dès qu'on arrive jeudi, courant de matinée, on passe à autre chose, parce que courant de matinée elle rentre en taureau, à 9h du matin, jeudi 18 va rentrer dans le signe du taureau et elle va y rester jusqu'à samedi à 15h à peu près. Donc jeudi 18 jusqu'à samedi 20 à 15h, la lune sera en taureau. Et la lune en taureau, elle est très belle dans cette position-là. C'est les sens sont aiguisés, le charme, la délicatesse, prendre son temps, le plaisir, la gourmandise aussi en taureau toujours. Hein, tout ce qui est plaisant, tout ce qui est sucre, tout ce qui est câlin, tout ce qui est, c'est très beau la lune en taureau, c'est très sympa. Si elle n'était point si gourmande, mais c'est parfait, il en faut. Elle est apaisante en tout cas, elle aime l'ambiance au quotidien, qu'il soit calme, et elle a même un talent pour arrondir les angles et faire qu'au quotidien on s'entend bien. Bref, cette lune en taureau va former jeudi une conjonction avec Jupiter, et la conjonction qu'elle forme avec Jupiter, ben c'est très bon pour le moral, donc excellent pour mes taureaux, excellent pour mes vierges, excellent pour mes capricornes, excellent donc si elle est en taureau pour mes cancers et pour mes poissons, très positif pour vous. Attention, mes scorpions, premier décan, un peu d'agacement, pas bien grave. Et vendredi, la lune sera conjointe à Uranus. Et la lune conjointe à Uranus, ça donne de la tonicité. Alors, très tonique et l'esprit créatif pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Vous cinq, vous bénéficiez à maxima de cette belle influence lunaire. Attention, un peu d'agacement. Prenez pas de décision trop rapide, mais deuxième, troisième décan scorpion, deuxième, troisième décan lion, deuxième, troisième décan verseau. La journée de jeudi, là, faut être un peu léger, hein, un peu souple sur le plan relationnel. Et puis tout ça nous fait arriver à samedi. À samedi 20, à partir de, en gros, 15h jusqu'à lundi 22 à 23h, en gros, la lune sera en gémeaux. Pour une bonne partie du week-end. Donc, jusqu'à samedi 14h, ben, la lune est en taureau, on est dans le plaisir et l'apaisement. À partir de samedi 14h, en 15h, pardon, la lune passe en gémeaux pour le reste du week-end jusqu'à lundi soir, en fait. Hein. Et la lune en gémeaux, alors là, très bon pour mes signes d'air. Excellent pour mon mental de mes gémeaux, ça va remonter le moral, surtout qu'il y a des planètes qui arrivent en signe d'air qui vont arriver les unes après les autres, donc ça y est, ça redémarre mes verseaux, très bon pour mes gémeaux, pareil pour vous, très bon pour mes balances, ouf, on passe un cap, et elle formera surtout un trigone avec Pluton, ah là là, oui, ça c'est intéressant pour amorcer des nouveaux projets, fin de semaine, début de semaine prochaine, pour les trois dont je viens de parler, Gémeaux, Verseau et Balance. Un petit carré de Saturne dans le week-end, donc pas bien grave. Attention, premier décan, Gémeaux, Cancer, Gémeaux, Poissons, Sagittaire et Vierge. Petit coup de spleen, là, très léger, samedi en fin de journée. Dimanche, conjonction, Soleil, Lune, Neptune. Conjonction, Lune, Neptune. L'hyper-réceptivité, lune-Neptune, les mystères de l'inconscient, lune-Neptune, l'intuition, le feeling, très bon feeling dimanche, tout ce qui se passe en famille, dans l'environnement, fiez-vous à votre instinct, surtout si vous avez des planètes en cancer, en scorpion, en poisson, en capricorne ou en taureau, fiez-vous à votre nez. Tout ce qui se passe au niveau relationnel dimanche, vous devrez être rapidement au cœur de ce qui se passe avec une intuition, mais particulièrement aiguisée. Voilà ce que je voulais vous raconter. Hein. Et puis jusqu'à lundi, et puis lundi prochain, elle sera toujours en gémeaux, je vous l'ai dit, et puis je vous produirai un autre horoscope lunaire. Ça, c'est pour ma lune. Et puis, le gros morceau, je vous ai fait un long laïus sur le sujet, sur l'horoscope solaire, qui est en parallèle de cette vidéo, qui est publiée jeudi. Pluton rentre, là,
en Verseau. Pluton, on le sait, je vous fais un peu redondance, mais Pluton, c'est un énorme truc, hein. Il accomplit son cycle d'évolution en 250 ans. Le 21 janvier à 3h36 du matin, ben, dimanche matin, il quitte le Capricorne, enfin, me direz-vous, pour entrer en Verseau. Il va y rester jusqu'en septembre. Il repassera 2 mois vite fait en Capricorne. Ça, c'est l'angle du mécanisme de la Terre qui tourne autour du Soleil. Pluton qui est très loin, il change d'angle. Je vous développerai ça vraiment de façon assez fine dans l'horoscope solaire, si vous avez la curiosité d'aller voir. Donc, on dit que à partir de dimanche 21 à 3h36 du matin, donc la nuit de samedi à dimanche, elle est un peu shy pour certains, ben, vous inquiétez pas, c'est un peu normal. Soleil et Pluton vont être rejoints. Donc, si vous êtes dans la séquence fin Capricorne, début Verseau, fin Cancer, début Lion, fin Balance, début Scorpion, fin Bélier, début Taureau, vous êtes dans l'axe de cette réunion Soleil-Pluton qui change de secteur. C'est vraiment un gros virage là. Donc ce qui se joue ce week-end, attention à ce que vous plantez comme graine en quelque sorte dans tout ce que vous êtes en train de faire évoluer dans vos vies. Là, j'ai un angle particulièrement aigu où ça annonce la couleur en gros. Donc si vous avez envie de faire avancer un dossier, une situation, un projet, c'est pas mal. Si vous avez envie de tourner la page de quelque chose d'assez radical, attendez 2-3 jours. Hein, voilà, tout simplement. Voilà le ciel lunaire tel qu'il se présente pour toute l'année. Ben oui, moi j'aime bien faire des trucs un peu atypiques. Et autant je vous fais une météo des étoiles en regardant plutôt que signe par signe les planètes, l'influence qu'elles ont sur nous. Pareil pour la Lune. Ben on s'y frotte pas pour la Lune. Pourquoi ? Parce que vous trouverez pas d'horoscope aussi pointu sur la Lune. Si vous en trouvez un, donnez-le moi. Hein, je suis curieux de voir. Pourquoi ? Parce que ça nécessite de se prendre les éphémérides et de faire des calculs manuels. Et les éphémérides et les calculs manuels, ben beaucoup ont oublié comment on les fait. C'est bête. Hein. Moi qui suis maintenant un vieux machin, j'ai appris ça jeune. Mais ça permet d'avoir vraiment à quel moment, à quelle heure la Lune change, pourquoi, comment, les influences qui sont formées. Faut aimer, quoi. Toujours pareil, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, pour ça que je vous fais un truc un peu atypique, encore une fois. Ça a l'air de vous convenir. En tout cas, vous me faites des gentils messages, donc j'ai le ressenti que ça vous plaît. Et puis comme vous m'envoyez aussi des gentils commentaires et des adorables citations qui sont mes gourmandises, mon fiolondingue. J'adore ça, moi, les petites citations. J'en ai gardé 2 que je vais vous retraduire dans toutes celles que je reçois dans les messages. Et au niveau de la Lune, moi, ça m'inspire. Le fond d'un être, c'est la Lune. La Lune, c'est aussi la gentillesse qu'il faut faire émerger. Et deux citations. La première, c'est « Quand on sème la gentillesse, on récolte l'amour. » Ça, faut jamais l'oublier. C'est l'écho. Et puis, une beaucoup plus construite, celle-ci, elle est de Victor Hugo. La Lune, c'est le feeling. La Lune, c'est le ressenti. Et cette citation de Victor Hugo, elle dit « Et puis, il y a ceux que l'on croise dans la vie, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accorde une minute, une demi-heure parfois, plus aussi, et sert d'élément déclencheur et change le cours de votre vie. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose de lunaire, sentir les rencontres qu'on croise, l'élément déclencheur. J'adore cette citation de Victor Hugo. Je l'avais entendue il y a longtemps, mais je suis ravi qu'on me l'ait refaire parvenir de nouveau. Bon, voilà, c'était l'idée. Un horoscope lunaire, plein de bonnes énergies cette semaine, à tour de rôle. Vous avez bien noté qu'à chaque fois que la Lune évolue quelque part, bah, en gros, elle reste 2 jours dans un secteur. Alors, quand ça nous protège, c'est un coup de boost. Et quand elle forme des contrariétés, bah, on attend 48 heures qu'elle s'en aille. Et le ciel se dégage en général assez vite grâce à la Lune. Voilà ce qu'il faut retenir avec la Lune. J'essaye de vous la colorer avec les finesses d'aspect. Et puis, effectivement, ça concerne tout. Quel que soit l'endroit, quand je vous annonce une influence planétaire et que je cite un secteur, après, la variable, elle se réalise en fonction de qui occupe chez vous, dans votre carte du ciel de naissance, le secteur en question. Si c'est un ascendant, ça va être l'image qu'on projette. C'est le soleil, c'est vos objectifs. Si ça touche votre Lune, c'est vos ressentis. Et ainsi de suite. Hein, ce sont des croisements permanents, c'est pour ça que c'est subtil l'interprétation. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci pour vos likes, pour vos gentils messages, pour vos adorables commentaires, pour vos adorables citations, pour tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime. Merci à vous.